de ouf. Bah oui, t'as un vélo dehors, tu fais le gars que t'es de la street et tout, mais en fait y'a personne qui t'explique. Bastien, t'es un gangster. Oui. Bastien, t'es un gangster toi. Pardon? T'es un gangster toi, non? Non, je suis pas un gangster, je vais t'expliquer un peu ce que je suis. En fait, je suis dans la mafia italienne un peu, tu vois. Vas-y, monte, gosse. Voilà. Tu vois, un jour, on est allé dans une banque comme ça, on avait un pistolet à eau avec mon gang. Et puis, tu vois, en fait, on a essayé de braquer. Après, en fait, ils... Ouais, voilà, le gang des petites crottes, on s'appelle comme ça. Et puis tu vois, le gang des petites crottes, ils ont pris leur pompe à le pistolet à eau là. Ils sont mouillés les clients. Et les clients, ils ont fait. C'est fou le gang des petites crottes. Après, ils nous ont donné tout l'argent parce qu'on était connus et tout. On a recherché un peu par la police. Et puis dans la cité, surtout, il y a nos mères qui vont venir nous fouetter si ils nous voient. Tu vois, comme tout le monde. Hein. Ma mère là, elle m'attend déjà avec le fouettage là, elle attend la ceinture. Avec là. Le fouettage. J'arrive à la... Bah oui, bah il faut me supporter. Moi je t'attendrai avec et un puis, pistolet. Hein. T'as vu. Quand t'es avec un criminel, quand tu parles avec un criminel connu, tu vois, t'as tes coronets, ils sont en train de. Bastien 259, bah oui, ouais, t'es mec. Ah bah c'est, oui. C'est hein. Gros, on dirait entendre Jack l'éventreur. Est-ce que Gava, t'as les coronets là qui sont en train de flipper là quand tu parles à un criminel? Ouais, mais genre t'imagines même pas, ils sont en train de disparaître là. Là, hey Dylan, est-ce que tes couilles sont en train de partir là? Ah bah oui, hey, Ghost, est-ce que tes couilles sont en train de partir là? Ah mais il est déjà mort en fait, Ghost. Hey, est-ce que tes couilles sont en train de partir quand tu parles à un criminel? Alors, Ah, bah ouais. Et, vous voyez, vos couilles sont en train de partir et moi, mes couilles, elle est toujours là. Hein. Elle est toujours là, donc t'en as qu'une. T'en as qu'une. C'est quand je vois la police, quand je vois la police. En fait, si tu veux, je le dis toujours, je dois aller aux toilettes. Et puis quand je les vois aux toilettes, ben je les vois plus, on dirait que j'ai une schneck. Ok. Sinon, elle va bien, votre famille, et vous fouette les mamans. Ah, attends, on fait de la tienne, mais... Ah bah oui, hein, moi je suis au chômage, hein, moi je suis au chômage, je braque des magasins là. T'es au chômage, le mec il a 6 ans. Et j'arrive avec un masque, ouais, j'arrive avec un masque de but et de bite. De j'arrive but. Comme ça, je l'ai. J'ai un masque de but. Après j'arrive dans le magasin, je fais avec ma le masque de pute. Eh vas-y, raconte-nous une anecdote de tueur en série. Bah, d'accord, je vous raconte une anecdote. En fait, t'es étrange, t'as tué le mec là, chez lui. On s'est connus, tu sais, en fait on est arrivé comme ça avec... En fait, on est arrivé à Paris comme ça. On était au chômage et tout. Tu sais, on faisait la manche comme ça, tranquille. Et il y a un mec qui est venu nous checker. Il est venu nous checker parce qu'il a cru qu'on était un gars de la street. Parce qu'on était dans la street, tu vois. On était dans la cité. Et tu vois, il y a un moment, il y a Caris, il arrive, il fait « Hey, sale chouin, ça va ?» Ah, et tu vois... Après, j'arrive comme ça, je le fais. Hey, tu parles pas au gang des caca, ok? Il a baissé d'un ton. Il a ramené ses gars là. Ces gars, ils étaient avec des carabines et tout. Nous, on a ramené nos masques à bits. Et après, le mec, il est venu. Et il a tiré une balle sur Michel. Michel, il est tombé par terre. Et ça fait 18 ans que je l'ai pas vu, Michel. Arrêtez de parler de Michel, s'il vous plaît.
Michel, il était en fait à sa valette. Allô. Ouais, en fait là t'es en train de parler à un gangster là, toutes les couilles des gens là ils sont en train de partir. Ah, on dit qu'à pas beaucoup ils sont partis hein. Il est parti de la mafia italienne. Ah bah oui, si vous rigolez là, je vous nique vos restes. Vos restes. Voilà. Et ensuite avec Michel, ah oui, je vous ai pas raconté. Michel, il était juste allé manger en fait. Il avait dit yo les gars, je peux pas aller tout de suite. Il est allé manger et il y avait un sniper comme ça, il a tiré une balle à Michel. Et après la maman à Michel qui elle s'appelle Jacqueline. Ouais. Jacqueline elle s'est fait aussi tirer une balle dans le dos. Tirer. Elle est tombée par terre. Ensuite, il y avait le papa, il est venu comme ça, il est venu monsieur Pierre. Non, monsieur Pierre, elle est venue comme ça. Je suis venu vers lui, je monsieur, l'ai fait monsieur Pierre, elle est venue. Monsieur. Non mais je ferme mes mots parce que je suis en train de pleurer parce que Michel, ça fait longtemps que je l'ai plus vu. Ah ensuite, il oui. y a son père Pierre qui est venu. Il a vu le corps de sa femme et de son enfant. Et au bon moment, la tête à Jacqueline, elle était sur la bite à Michel. Et il a cru qu'ils ont fait une sextape et qu'il s'est fait, il s'est fait tirer une balle. Enfin, ils se sont morts en fait. Et ensuite, je suis venue comme ça. Je suis venue avec mon gang et on a fait. Et ensuite, après. Ensuite, Michel, il est venu. Enfin, Michel, je l'ai vu comme ça. Je dormais. Puis Michel, il me disait. T'inquiète pas, mon ami. Le gang caca, il est toujours là. Et puis, après, tu sais, je me suis réveillée comme ça. Je me suis réveillé comme ça, j'ai fait ok les gars, on va aller braquer un putain de magasin. Le gang, on a pris tous notre masque de zizi. On est allé dans le magasin à Charbie. On est venu, on t'a fait Mouk, tu nous donnes l'argent tout de suite, ça l'est morve. Et après, on a pris l'argent, on a fait cher. Et après en fait on était dans le magasin, on a un peu profité et tout. Et par contre vous coupez pas la parole, sinon j'arrive dans la cité là, je vous nique tous. Ok. Surtout le gars là qui... C'est qui pète? Hey. Bon. Gaba, est-ce que l'histoire là elle commence à. Tes couilles ils reviennent ou ils sont toujours non, pas là? Non, non, elles sont toujours pas là, mec. Mais j'aimerais bien que tu racontes l'histoire, tu sais, quand. Est-ce que. T'sais, attendez, je vais poser une question à tout le monde et vous me dites tous oui ou non. Est-ce oui, que vos chef. Couilles sont là ou pas? Non, mec, elles sont plus là, gros. C'est qui a dit oui tout de suite là? Je viens dans sa cité, je l'encule. C'est qui a dit ça? Ses couilles sont revenues. Ghost, t'habites où? J'arrive avec le gong Zizi, mon gars. On arrive tout de suite. Tu vas voir. Bah non, en fait. T'habites dans le toit de ton zizi. Bah, c'est ma daronne. Bah, t'es une femme. Redis. Non, je vais vous dire mon vrai prénom. Je m'appelle Jean-Marie Le Pen. Voilà, je travaille pour ma fille. Ma fille avait 15,5% facile. Oui, je suis un Illuminati, oui. Oui, pardon. Mec, genre des bails chelous. Il va s'en prendre une gros.
mais je m'appelle Jean-Marie Le Pen, vous avez un problème? Bah alors dis-le, non, c'est pas bon dur. C'est pas... Pourquoi t'as voté pour Marine Le Pen? Bah merci mon gars. Bah oui, t'as raison, hein. Marine Le Pen... t'as voté pour qui, toi, ouais? Ah bah Marine Le Pen, bah c'est bien, c'est bien, c'est bien les enfants, c'est bien. Ah oui, après je dois raconter encore mon anecdote. Que Jean-Michel, enfin Jean-Michel, Jean-Pierre, il est mort aussi. Non. Il s'est fait taser par un policier, puis la réaction de l'électricité l'a endommagé ses coronets. Vas-y, Bastien le mafieux, est-ce que je peux te demander Non, je m'appelle pas Jean, je m'appelle Jean-Marie Le Pen. Ah oui, okay. Jean-Marie, est-ce que je peux te demander oui. de dire un mot, mais oui. Tu sais, c'est genre un mot qui clorerait une discussion. C'est genre, oui, bah vas-y. C'est juste un mot, vas-y, non, vas-y, toi, invente un mot. Salhmar.